À chaud, c'est une super victoire, notamment contre le leader du championnat qui va monter en Ligue 1. Donc franchement, c'est une super victoire. Il y avait tous les ingrédients qu'on voulait mettre. Comme j'avais dit en conf de presse, il fallait jouer notre vie et ce soir, on a joué notre vie. Je pense qu'on a fait le match qu'on voulait faire. On savait, on connaît Toulouse, on savait que c'était des joueurs super techniques, quoi. Voir c'est de l'orfèvrerie, quoi, ce qu'ils font sur le terrain, c'est magnifique. Donc on savait qu'on ne pouvait pas les battre sur le plan technique, on en est conscient. Et donc il fallait donc jouer sur leur faiblesse. On savait déjà qu'ils étaient champions depuis la dernière journée. Donc on savait qu'ils feraient peut-être moins les efforts défensivement. On savait qu'on avait un coup à jouer. Et comme je disais, nous, chaque match, on doit jouer nos vies. Nous, on joue un maintien, donc on n'est pas dans la même optique. Donc ouais, on est content d'avoir bien négocié nos coups offensivement sur nos attaques rapides, notamment. Ça a été plus compliqué en attaque placée, logique. Mais franchement, on est très, très heureux du contenu. À titre personnel, ouais, c'est magnifique. Je reviens d'un prêt qui est pas forcément facile. Je reviens sans penser qu'on ferait appel à moi. Je travaille, je garde la même ligne de conduite. Et voilà, ce soir, je suis titulaire contre une équipe qui monte en Ligue 1. L'équipe type quasiment de la Ligue 2. Donc à titre personnel, c'est magnifique. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Je suis très fier de ma prestation parce que j'ai rien à perdre comme l'équipe. Là, on est dans une optique où on joue pour gagner, on ne joue plus pour se faire plaisir ou quoi, on joue pour gagner. Et ça fait d'autant plus plaisir de souffrir ensemble et de gagner comme ça. Oui, c'est très important, surtout ici. On avait à cœur de montrer que c'est très compliqué de s'imposer à Rodez. Ça fait 5 mois que c'est très dur pour nous, il n'y a pas de victoire. 5 mois sans victoire, c'est très long, très très long. Mais ils ne nous ont jamais lâchés, on a toujours eu besoin d'eux. Et dans les rendez-vous comme ce soir, on a vraiment besoin du 12e homme et ils ont su répondre présent à chaque fois qu'on a fait appel à eux. Donc c'est toujours un plus de jouer à domicile et de prouver qu'on est chez nous. Et ça fait plaisir quand il y a la famille, les supporters, le COP, un COP en feu, ça fait plaisir.